Olivier Chartier-Delegue et Denis Pardanour sont montés tout en haut des Gorges du Science à sa rencontre. En haut, tout en haut de la route qui monte des Gorges du Science, Lioche, village minuscule dans le paysage immense. Lioche, 48 habitants au dernier recensement, en population la plus petite commune des Alpes-Maritimes. Et là, c'est absolument une aberration. Oh, depuis 30 ans, Denise Leboeuf occupe le fauteuil de maire. Denise Leboeuf a succédé à René, sa mère, et à son grand-père, à la tête de la commune. Alors certains vont avoir de très bonnes surprises. Hein. Oui. Quand on est maire d'un petit village, on fait tout. On est à la fois assistante sociale, écrivain public, balayeur. Des fois, les administrés pensent qu'on est capable de tout. On est même avocat, alors que ce n'est pas notre métier. On fait tout dans un petit village. On va vers où, là, Denise, alors? On va vers l'auberge communale. C'est le projet le plus important de mes mandatures et de celle du conseil municipal. Nous en sommes très très fiers parce que nous n'avions plus de lieu d'accueil dans ce village. L'auberge, c'est la vie. Bonjour. Dans notre petite communauté. Bonjour Denise. C'est aussi une grande famille, un petit village de 48 habitants. Parce qu'on n'est pas caché, noyé dans la masse. On existe tous, chacun. Et donc, voilà, il y a un équilibre. Et c'est donc ici que la famille villageoise se réunit? Elle peut se réunir dans cet endroit magnifique, évidemment. C'est ce qu'on essaye de faire. Méfie-toi de la douceur des choses. Sous l'impulsion de son maire, Lioche la Paisible est devenue le centre d'un grand combat, la défense du pastoralisme. En 2016, Denise Leboeuf a fondé l'Association des communes pastorales de la région Sud, qui fédère aujourd'hui 452 communes. La montagne a besoin de ses bergers. Denise Leboeuf est leur avocate passionnée. Moi, j'ai été reçue plusieurs fois au Sénat. J'ai été reçue à l'Assemblée nationale pour être auditée. On fait quand même, au niveau national, on va dire que l'élu représente un peu plus de poids que l'éleveur. Donc, nous allons porter la voix du pastoralisme au plus haut sommet de l'État. Mais c'est un beau village, là. Ouais, on est au bout du monde. Ouais. Et là, on est presque au paradis, hein. C'est vrai, hein? Tout à fait. Ah, c'est chouette. C'est ce que je disais, c'est vraiment pourquoi on vient à Lioche, ben on n'a qu'à regarder. Ben oui. La tranquillité. Au beau. C'est pas vous qui venez d'acheter qui allez me dire le contraire. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Tout à l'heure, Denise Leboeuf reprendra la route, un trajet d'une heure, direction Nice, où l'attend sa vie professionnelle. Pour Madame le maire, une existence en va-et-vient entre la grande cité et son village,